Allez, salut les amis, vite fait, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je dois vous parler de mon partenariat que vous connaissez maintenant. Alors Oli, c'est une marque qui fabrique des boissons énergisantes. Ils font aussi une gamme d'Ice Tea. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une société qui est située à Berlin, donc en Allemagne, et qui propose des produits sains. C'est bien meilleur que tous les autres produits que tu peux consommer en termes de boissons énergisantes et qui vont te flinguer la santé. Alors là, il m'a envoyé les Strawberry Shark. Ça, c'est les boissons énergisantes. Donc en fait, c'est juste des dosettes comme ça. C'est des versions sachets. C'est pareil, c'est juste que dans les pots, forcément, c'est plus cher et t'en as plus. Mais ça, ça me convient très bien en tout cas. Et ce goût-là est vraiment, vraiment bon. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez quel est le produit que je préfère. D'ailleurs, voyons. Mettez-le dans l'espace commentaire pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, ils m'ont envoyé celui-ci. Ça, c'est le Raspberry Raptor. Celui-là, ils me l'ont envoyé en pot parce que il l'avait. Donc celui-là, je suis plutôt content d'avoir. Celui-ci, il déboîte. C'est pas non plus celui que je préfère, mais celui-ci, il déboîte aussi. Avec, j'ai eu du coup le shaker. Donc je vous montre tout. Comme ça, si jamais, si vous voulez vous prendre le pack, vous savez ce que vous allez recevoir avec. Alors ça, je kiffe. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel. Ça, c'est les gourdes en verre. Les gourdes en verre, franchement, elles sont sublimes. Dedans, tu as le petit truc pour mélanger. Donc, tu mets ton produit, tu mets ta flotte, tu secoues, ça mélange. Alors ensuite, on passe forcément du coup sur l'Ice Tea. Ça, c'est le Blackberry X Black. Donc là, pareil, c'est sous format pot. Tu as une petite dosette dedans. Tu prends ta dosette, tu prends une dose, tu le mets dans ton shaker ou dans ta petite gourde collector. Tu remplis d'eau, tu mélanges, tu mets quelques glaçons et c'est parfait. Alors ensuite, j'ai aussi le Red Grape Hibiscus, X Hibiscus, pardon. Donc, personnellement, je les ai tous goûtés. L'été, ils passent tous crème avec des glaçons quand t'as chaud. Le goût est excellent. Vraiment, c'est très, très bon. Et quand tu regardes le prix d'une dose comparé au prix de la concurrence, on va pas donner de nom, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, tu soutiens une marque qui est fun, qui est très colorée, qui est cool et qui pense à ta santé. N'oublie pas que grâce à ton YouTuber préféré, moi, tu peux avoir des codes promo que tu as juste ici. Utilise ces codes promo pour tes commandes et ça va te faire gagner un petit peu d'argent. Et il faut surtout pour ça que tu passes par le lien que tu vas trouver en description. Je t'ai mis un lien, c'est un lien qui va te rediriger directement sur le site. Tu utilises ce lien, ça t'amène sur le site et tu utilises les codes promo avec ta commande et tu vas faire des économies, tout simplement. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon partenaire Oli, je vais te laisser t'asseoir tranquillement et profiter de cet épisode. Le sanctuaire. Ne me demandez pas pourquoi ce nom, c'est le nom qui me vient à l'esprit quand je pense à ce lieu. Et c'est le nom que j'ai décidé de lui donner. Ce soir, je retourne à nouveau dans ce bâtiment. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est le fameux bâtiment où j'ai eu cette vision de cette ombre qui m'a pétrifié de peur et qui m'aura déjà poussé à partir une première fois de ce bâtiment. Ce soir, j'ai décidé de faire la partie inférieure du bâtiment. Vous le savez, je dois y revenir pour refaire la partie supérieure et y passer plusieurs nuits pour vous proposer plusieurs parties finales qui viendront clôturer l'étage et potentiellement nous révéler quelques mystères sur cette fameuse ombre et ce qui pourrait vivre à cet étage. Mais ce soir, j'ai décidé de m'occuper dans un premier temps de la partie inférieure. Comme vous allez le voir, il est fort probable que l'entité qui se trouve au-dessus ne soit pas complètement satisfaite de me voir à l'étage juste en dessous. Cette expérience ne va pas nous apporter plus de réponses, bien au contraire, elle va clairement nous plonger dans le doute et dans l'incompréhension. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser regarder cette expérience. Allez, je suis installé. Il me semble que tout tourne. Ouais, tout tourne. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des bruits très bizarres. Je ne sais pas vraiment comment interpréter tout ça. Je vais juste vérifier que ma caméra filme bien mon visage. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un rituel. Je pense que vous le connaissez, alors je ne sais pas. Si ça se voit à peine, vraiment à peine, j'ai pas réussi à le faire suffisamment marqué. J'ai fait un pentacle ici aussi. Je vais m'installer au milieu
Et on va faire ce fameux rituel d'invitation que vous devez connaître maintenant. Bon, il faut que je vous dise quelque chose tout de suite. Je vais commencer par ça. Parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. J'ai eu des bruits en haut. J'ai été voir. Il n'y a rien, personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, je pense que vous avez compris, je suis dans le fameux bâtiment où j'avais vu l'ombre deux étages plus haut dans le couloir. Et je ne suis pas ici pour faire le final, on va dire, de l'étage au-dessus. Ça, je le réserve pour plus tard. Vous le savez normalement. La dernière fois, j'étais descendu ici et je vous avais dit que j'avais réservé cette pièce, cette grande partie. C'est moi où j'ai entendu des bruits. Alors, il y a du vent dehors. Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de pas en haut. Il y avait des bruits de pas. Il n'y a personne en haut. J'ai été voir. J'ai fait le tour du bâtiment. Alors, il y a un peu de vent à l'extérieur. Ça s'entend sûrement. Mais c'est pas la tempête. Là, il vient d'y avoir une espèce de craquement de vent. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. On va mettre ça sur le compte du vent pour l'instant. Je viens de commencer, donc je vais pas trop partir trop vite. Oui, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, au-dessus, on entendait marcher. Je suis monté, rien. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui veut m'attirer en haut, ou si c'est... Je sais pas en fait comment interpréter ça, parce que c'est des choses qui me font... ça me fait plutôt bader, dans le sens où... ça, en fait, les bruits de pas, ça fait quand même vachement peur, surtout quand ça vient du dessus, et que ça fait des bruits sourds. J'ai pas pu l'enregistrer, j'avais rien lancé. C'est assez dérangeant. Là, je vais vous montrer. Putain, mais c'est pas possible. Y a quelqu'un ?